PEGI 3. Bienvenue dans le mode expédition. Ici, vous pourrez bâtir une équipe imaginaire tout en explorant l'Europe. Vous commencerez par choisir votre joueur favori ou pro virtuel au poste de capitaine. Donnez ensuite à votre équipe un nom et des couleurs et choisissez votre groupe de départ. Le reste de votre équipe se composera de joueurs de la réserve choisis aléatoirement parmi tous les pays de l'UEFA. La carte est le centre névralgique de votre expédition. Elle vous permet de voir où vous en êtes dans chaque groupe et de planifier vos futurs déplacements. Les pays et les groupes se débloqueront à mesure que vous battrez les équipes pour la première fois. Vos victoires vous permettront également de bâtir une route entre votre emplacement actuel et tout pays débloqué dans le groupe. Les routes sont capitales, car elles représentent votre seul moyen de vous déplacer et d'affronter d'autres pays du même groupe s'il existe une route qui vous y emmène. En cas de victoire, le pays battu devient votre nouvel emplacement. En cas de défaite, vous restez là où vous êtes. Attention, une défaite peut aussi vous pénaliser en entraînant la destruction d'une route. À chaque victoire, vous hériterez d'un joueur de l'équipe que vous aurez battu. Ainsi, vous pourrez renforcer votre effectif et bâtir une équipe imaginaire composée de vos joueurs préférés. La première fois que vous battez une équipe, vous hériterez d'un joueur de la réserve. La seconde fois, d'un remplaçant. Et la troisième fois, d'un titulaire. Vous pouvez récupérer ce joueur en en supprimant un de votre équipe ou vous pouvez tout simplement le refuser. En remportant des matchs, vous obtiendrez également des fragments de mosaïque. Battez 3 fois les 53 pays pour récupérer tous les fragments et atteindre le but ultime en découvrant l'image finale de l'ensemble de la mosaïque. Il est temps de débuter votre expédition à travers l'Europe. Triomphez des 53 pays pour dominer l'Europe et ne vous arrêtez pas avant d'avoir complété la mosaïque.